qui disait « j'ai quelque chose à vous dire ». Et on a recueilli ces paroles d'enfants, d'adolescents, victimes de ces phénomènes. On en a tiré un film, « L'enfer au quotidien », qui a eu un succès assez important auprès de nos familles, principalement, mais qui était le premier documentaire sur le sujet. On a créé un site internet, une association, etc. C'est à partir de 2010-2011 que les pouvoirs publics français ont découvert le problème. Alors ça, pourquoi ? Pourquoi, pendant 30 ans, cette réalité a-t-elle été tue ? Songez que les Scandinaves, Suédois, Norvégiens, ont commencé à travailler sur ces questions, pas à travailler sur ces questions, à essayer de les traiter, à partir des années 70. Premier texte d'Anatole Picasse, dont on parlera, 1974-1975. Premier texte d'Anne Olveus, 1978. Et pendant ce temps-là, en France, on s'imaginait sans doute que la violence était concentrée dans quelques lieux particuliers et qu'il y avait une majorité d'établissements qui étaient préservés et puis une petite minorité dans lesquels, effectivement, oui, ça ne se passait pas très bien. Pourquoi a-t-on nié, pourquoi a-t-on tué ces phénomènes pendant 30 ans ? Je suis convaincu qu'aujourd'hui encore, nous payons très cher ces 30 années de silence. On a commencé à partir de 2010-2011, on a commencé à s'intéresser davantage à ce qui se faisait à l'étranger, c'est-à-dire à ces méthodes qui avaient commencé à faire leurs preuves depuis longtemps déjà dans certains pays scandinaves. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à mettre en œuvre la méthode dite de la préoccupation partagée dont je vous parlerai, que j'ai eu la possibilité, grâce à certaines rencontres en France, de développer dans un grand nombre de départements français et aussi en Suisse. On a créé une plateforme, préoccupationpartagée.org, on a fait un film, un autre, la méthode de la préoccupation partagée. Puis depuis 2017, je collabore avec Marie Cartier, j'aurai l'occasion de vous en parler tout à l'heure. Est-ce que ça marche comme ça? Vous m'entendez aussi? Ah ben ça me permettra de me déplacer, même si les caméramans vont me détester. Peut-être commençons par un point de vocabulaire. Je vous disais tout à l'heure que je n'étais pas du tout convaincu par ce terme de harcèlement. D'ailleurs, je me rends compte que beaucoup de pays non francophones utilisent d'autres termes, utilisent des termes spécifiques pour désigner cette réalité qu'on appelle en France harcèlement. Pourquoi est-ce que ce terme m'ennuie ? Pour deux raisons principales. La première, c'est qu'on utilise le même terme pour désigner ce qui se passe entre enfants et adolescents à l'école et ce qui se passe entre adultes dans le monde de l'entreprise, de l'harcèlement familial, sexuel, on sait ce que c'est. Si on s'imagine que c'est de même nature, si on s'imagine que celui qui ennuie un peu sa copine ou son copain à l'école sera demain le pervers narcissique qui persécutera tout le monde au travail ou dans sa famille, on se trompe, et on se trompe complètement. Ça n'a rien, mais ce qui s'appelle rien à voir. Je participais il y a 3 ans, 4 ans, je ne sais plus maintenant, à un colloque qui voulait parler, le thème voulait être celui du harcèlement en général, et donc le matin, on parlait du harcèlement à l'école, c'est pour ça qu'on m'avait invité, et puis l'après-midi, des médecins, des avocats parlaient du harcèlement professionnel, familial, sexuel. Nous étions dans deux planètes radicalement différentes. Donc, première difficulté, mais il y en a une autre qui me paraît sans doute peut-être encore plus inquiétante. Lorsqu'on utilise un terme très fort, très dur, harcèlement, on va être tenté, lorsque vous aurez, si vous êtes professionnel, un garçon, une fille, un élève qui vient vous dire « il y en a qui m'embêtent, il y en a qui ne veulent pas jouer avec moi, il y en a qui m'ont donné un surnom, on se moque de moi à l'école. » Ou si vous êtes parent, grand-parent, votre enfant, votre petit-enfant dit « ah, l'école, ça ne va pas bien, il m'embête. » Vous avez en tête ce terme de harcèlement
très dur, très violent, vous allez tenter de dire, de poser la question, « Oh, t'es sûr que c'est bien du harcèlement ?» Autrement dit, cet enfant qui vient nous en parler, et croyez-moi, c'est pas simple, on y reviendra, d'en parler, au lieu d'entendre sa souffrance, qu'est-ce qu'on lui dit ? On commence un petit peu par la mettre en cause. Et on attend que ça devienne du harcèlement. Et on laisse faire. Je vous présenterai tout à l'heure une vidéo, le témoignage d'une jeune fille, dans laquelle on s'apercevra que, alors là, pour le coup, oui, on a attendu que ça devienne du harcèlement. Ça a duré 4 ans. Mais lorsque ça a duré 4 ans, 7 ans, comme j'ai eu l'occasion de rencontrer un garçon une fois, moi, je ne sais plus quoi faire. Et on sait que tous les programmes qui sont efficaces, qui marchent bien, sont ceux précisément qui prennent les choses à leur commencement et qui n'attendent pas, qui n'attendent surtout pas que cela devienne du harcèlement. Alors, soyons attentifs aux petites choses. Oui, ce sont ces petites choses qu'on n'a pas voulu voir. Oui, bien sûr, parce qu'elles sont petites, parce qu'on se dit, oh, c'est juste un jeu, c'est pas grand-chose. Oui, soyons attentifs à toutes ces petites choses. N'attendons pas que cela devienne du harcèlement. Et puis, ne plaçons jamais un élève dans la situation d'être moqué. Ne plaçons jamais un élève dans la situation d'être rabaissé. Et commençons peut-être d'abord par ne pas nous moquer de lui. Combien de situations d'intimidation sont en réalité les conséquences de maladresse de certains adultes ? Je vais raconter une histoire, elle est ordinaire, simple. C'est dans une petite classe, les élèves ont 9 ans, 10 ans. La maîtresse vient de dire, l'enseignante vient de dire où est-ce qu'on doit ranger les cahiers. Et puis il y a un garçon, parce qu'à 9 ans ou 10 ans, on ne comprend pas toujours tout du premier coup, il lève le doigt et il dit, madame, où est-ce que je mets mon cahier ? Ah oui. Et bien, la maîtresse lui dit, ben, t'as qu'à le jeter par la fenêtre. Et que croyez-vous que la classe a fait ? Toute la classe s'est mise à se moquer de lui. C'est rien. Mais pauvre garçon, il voulait juste savoir où est-ce qu'il allait mettre son cahier. Il n'a pas besoin d'être moqué. Alors je sais qu'aujourd'hui, ça devient très difficile parce que la moquerie est devenue une nouvelle religion. Hein. C'est une institution. Il faut se moquer. Il est du devoir de se moquer. Je vais vous raconter une autre histoire. Je reçois un coup de téléphone. C'était une chaîne de télévision qui voulait impérativement que je sois le soir même, vous savez, comme ils veulent, sur leur plateau, bien sûr. Je sens bien que la fille n'avait pas trop envie de me dire quelle était, vous voyez. Je demande quand même, c'est quelle émission, c'est qui ? Eh bien, c'était Cyril Hanouna. Ah, vous connaissez aussi, ça traverse les frontières. J'ai dit non. Bon, ils ont téléphoné à Bertrand Gardette, il a dit non. Alors l'émission a eu lieu quand même, je ne l'ai pas regardée, mais j'ai vu le résultat sur les réseaux sociaux, et là on a assisté à quelque chose d'inouï. Ce monsieur, je n'ai rien contre lui, hein, mais qui est quand même le spécialiste, le grand professionnel, j'allais dire le grand prêtre de la moquerie organisée, tout le monde est sommé de rire, sommé de se moquer. Eh bien, ce garçon, cet homme, serré dans ses bras, une mère d'élève d'une histoire, l'histoire est pathétique, elle est poignante, elle est terrible. C'est la mère d'un garçon qui s'est suicidé, et qui s'est suicidé suite à une série de brimades. Pourquoi ? Parce que une série de petits Cyril Hanouna en puissance lui ont rendu la vie insupportable. Alors on est dans un monde qui est un peu schizophrène. D'un côté, on dénonce le harcèlement, et puis de l'autre, on le fabrique. Alors oui, peut-être que nous avons à être à contre-courant, peut-être que nous avons à ne pas nous moquer. Des enfants, de ne pas nous moquer les jeunes, ne pas les placer en situation d'être moqués. Et puis, après tout, relisons les grands textes. Je me rends compte que la littérature, la grande littérature, l'autre non, hein, mais la grande littérature dit parfois avec beaucoup plus de facilité, en quelques pages, ce que des volumes de sciences sociales n'arrivent pas toujours à établir. La première page
de Madame Bovary, de Flaubert, ça date pas complètement d'hier, c'est de 1856. La première page de Madame Bovary commence par une scène remarquable, remarquablement décrite, d'intimidation. Charles Bovary a 15 ans lorsqu'il arrive dans une nouvelle école et dans une nouvelle classe. Et il est maladroit. Mais il est maladroit comme on l'est lorsqu'on a 15 ans et qu'on arrive dans une nouvelle, dans un endroit qui ne nous est pas familier. Il est nécessairement maladroit. N'importe qui à sa place aurait été maladroit. En face de lui, il a des garçons qui ont le même âge que lui, qui sont comme lui, ils ne sont pas très différents de lui, sauf qu'ils se connaissent. Ils ont leurs habitudes, ils ont leurs pratiques, ils ont leurs rites. Vous avez d'un côté une classe nécessairement moqueuse, empêcherez-vous une classe d'être moqueuse? Vous avez en face un garçon maladroit, empêcherez-vous ce garçon d'être maladroit? Ah oui, sauf qu'en face, vous avez des maîtres qui sont très peu bienveillants. Le directeur d'école qui le reçoit et qui l'introduit dans une classe et l'amène vers un professeur, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ne sont pas accueillants du tout, ne sont pas bienveillants du tout. On dirait même que le professeur prend un malin plaisir à maintenir ce garçon dans la difficulté. Voilà le piège de l'intimidation. Voilà le piège. Et un piège, vous savez, c'est tendu avant que la cible, que la proie ne tombe dedans. Le piège de l'intimidation, 1856, ça ne date pas, d'aujourd'hui, ni d'hier. Donc, les choses étaient présentes dans l'école d'hier, elles sont encore présentes dans l'école d'aujourd'hui. Nous n'avons pas de pouvoir sur le fait qu'une classe soit moqueuse. Nous n'avons pas de pouvoir sur le fait qu'un élève soit maladroit. Ah, le troisième terme, oui, là, je pense qu'on peut très sérieusement. On peut très sérieusement agir. Voyez. Parce qu'il suffirait de rien, il suffirait de pas grand-chose pour que les choses changent. Si tout à coup, le maître était un tout petit peu plus bienveillant à l'égard de Charles Bovary, il serait moins maladroit. Et s'il était moins maladroit, la classe serait probablement moins moqueuse. Et s'il remettait un peu en place la classe, sans doute, la classe serait moins moqueuse. Et si la classe est moins moqueuse, le garçon serait moins maladroit, etc. Donc, voyez, le piège, il existe. Et nous avons sans doute des possibilités, des moyens de l'éviter, ne serait-ce que par nos propres comportements. 10% des élèves sont concernés. La première enquête sur le sujet, elle a été réalisée par Donald Veus dans les années 80. On dit 80? Oui, d'accord. Merci. Elle a été réalisée donc il y a plus de 30 ans. Et les dernières enquêtes révèlent toujours ce chiffre dont on a l'impression qu'il y a quelque chose d'incompressible, de 10% d'élèves régulièrement victimes de ces brimades. Quel que soit le type d'établissement, et ça c'est très intéressant parce que ça remet complètement en question ce que l'on a cru, en tout cas en France, pendant un temps. C'est-à-dire que le harcèlement traverse toutes les couches de la population. On le trouve dans le lycée ou le collège très favorisé, on le trouve dans le quartier beaucoup plus difficile. Il n'a pas de lien avec le contexte social. Il s'adapte à tous les milieux. Mais 10%, ce 10% mérite d'être questionné. 10%, on pourrait se dire, après tout, c'est 3 élèves par classe. Ben non. Et on a un travail absolument remarquable et qu'on doit à un chercheur belge, c'est Benoît Galland, de l'université de Louvain. Il y a un travail absolument remarquable de ce chercheur qui montre que le taux de harcèlement reste identique, quel que soit le type d'établissement. Il a fait une énorme enquête sur trois pays. Le taux reste identique. Mais il varie de façon très significative d'une classe à l'autre. Et Galland met directement en relation, son enquête le montre très clairement, Benoît Galland met directement en relation le taux de brimade avec l'attitude de l'équipe enseignante. Il y a des classes dans lesquelles le mot d'ordre est « ici, on ne se moque pas ». Ici, le respect de l'autre est
inconditionné. Et puis, il y a les classes dans lesquelles on laisse faire. Il y a les classes dans lesquelles on laisse faire, voire même celles dans lesquelles on s'y associe. Au fond, finalement, la recherche scientifique d'aujourd'hui et la littérature d'hier reviennent à cette même conclusion. Commençons par être attentifs aux élèves que nous avons face à nous et aux enfants que nous avons face à nous. Je vais vous faire passer le témoignage d'une jeune fille, Emeline. Elle raconte son expérience dans un collège français. Et vous allez voir, c'est très éclairant. Ce témoignage est extrait de l'excellent documentaire « Souffre-douleur, il se manifeste » réalisé par Andrea Rollins en 2015. Donc j'avais 11 ans jusque-là, 16 ans. À cause d'un accident au niveau des dents, j'avais les deux dents de devant qui étaient un peu grisâtres et un peu cassées. C'était des moqueries, des insultes, de la mise à l'écart et parfois quelques violences. Ça sert à rien, t'es trop moche. Tu ferais mieux de te suicider. Alors, le harcèlement a démarré en sixième. Ce jour-là, j'étais contente de rentrer au collège. C'était mon premier jour. Je pensais que les gens étaient gentils. C'est ce qu'on m'avait dit après tout. Et le lendemain, c'est là que tout a commencé. Un garçon de cinquième, je ne le connaissais pas, il ne me connaissait pas, mais il est venu vers moi et il a dit « Regardez, elle a des dents d'argent, elle a des dents de castor, des dents de ferraille. » Et une quinzaine de personnes est venue autour de moi pour me regarder, me fixer comme une bête de foire. Après ça, tous les jours de l'année de sixième ou des autres années, ça a été comme ça. C'était plusieurs fois par jour, dès qu'on me voyait. J'étais moche, grosse. Ça se passait dans le hall. J'avais l'impression d'être un monstre. Voilà. Comment passe-t-on d'une situation dans laquelle cette jeune fille rentre au collège à 11 ans, donc, avec des idées tout à fait positives? J'avais l'impression que les gens étaient gentils. Elle en ressort 4 ans plus tard avec cette remarque, j'avais l'impression d'être un monstre. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 4 années? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qui a dysfonctionné dans l'école pour qu'on arrive à une situation de ce type? Mais on a dû se poser la question, on s'est dit, est-ce que c'est bien du harcèlement? Et on a laissé, comme ça, s'installer une situation. Ce témoignage est terrible et on voit bien la dimension groupale du phénomène. C'est le groupe qui va jouer un rôle décisif. Là encore, vous n'empêcherez pas qu'il y ait à l'école des garçons ou des filles un petit peu plus durs que les autres, un petit peu plus méchants que les autres. Il y a celui qui va trouver le surnom, il y a celui qui trouvera la remarque qui fait mal, la moquerie qui blesse. Mais si personne ne reprenait ce surnom, si personne ne riait, il n'y aurait pas d'intimidation. Ça ne durerait pas aussi longtemps. Alors, on ne pourra certainement pas empêcher, bien sûr, on peut espérer que l'éducation jouera un rôle, évidemment, mais on n'empêchera jamais qu'il y ait des élèves plus difficiles que d'autres à l'école. Simplement, ce sur quoi on peut certainement agir, c'est sur l'effet de groupe. Tout le monde est d'accord pour dire que l'intimidation, c'est la répétition d'actions négatives sur une certaine durée. Oui, mais cette répétition mérite elle-même d'être questionnée. Si vous imaginez que c'est tout le temps le même élève qui persécute tout le temps le même autre, vous n'avez pas une représentation exacte de l'intimidation. Le surnom, la moquerie, combien de fois chacun la répète-t-il? 2, 3, 4 fois, pas plus. Personne n'a l'impression de répéter quoi que ce soit. En revanche, ces 2 fois, 3 fois, 4 fois, pas plus, multipliés par 200 et quelques jours d'année scolaire, multipliés par 4 années de collège, multipliés par
Par combien d'élèves ont répété ce surnom? Quand c'est un surnom, c'est toute la classe, c'est tout le collège des fois qui reprend le surnom. Ça fait combien de dizaines, de milliers de fois que ce garçon ou cette fille a reçu cette moquerie? Dans l'histoire d'Emeline, l'histoire des dents de castor chacun, ou le surnom qui allait avec. Combien de fois chacun l'a-t-il prononcé? D'ailleurs, enfin, souvenez-vous de vos années de collège. Ce qui est très intéressant, c'est quand je travaillais beaucoup avec des élèves, à la fin, il y avait un élève qui venait me dire « J'ai quelque chose à vous raconter ». Maintenant que je m'adresse plutôt à des adultes, il n'est pas rare qu'un professionnel ou qu'un parent me dise « Ah ouais, c'est vrai, quand j'étais à l'école, quand j'avais 11 ans, 12 ans, 13 ans, il y avait un garçon, il y avait une fille, c'est vrai, il en prenait plein la tête. » Ah, puis on a oublié. Ou alors on s'est dit « Ah ouais, mais il était spécial quand même. » Et oui, par contre, celui qui a reçu le surnom, celui qui s'est fait moquer pendant des semaines, des mois, des années, croyez-moi, lui, il en garde le souvenir. D'un côté, vous avez une espèce de... d'indifférence, j'allais dire. La dernière fois que j'étais venu... c'était à Namur. On avait travaillé avec une équipe et j'avais montré des témoignages que j'avais recueillis. Il y a d'un côté un garçon qui a subi pendant toute sa scolarité des violences, des brimades. Et on avait interrogé les élèves de sa classe. Et en face, il y avait le garçon qui faisait partie des intimidateurs, mais qui banalisait les choses en disant « Ouais, je ne veux pas dire que je ne participe pas, mais bon, je regarde, quoi. » ne se rendait absolument pas compte de la violence de ce qui arrivait à l'autre. Donc la répétition, la disproportion des forces et évidemment le rôle essentiel joué par le groupe. Il y a quand même quelque chose de tout à fait original à l'école. C'est que tout se passe en groupe. Ça n'arrive plus jamais après d'ailleurs. Vous vous imaginez pendant 20 ou 30 heures... avec 30 de vos collègues au quotidien? Non? Oui, ça s'appelle l'open space, d'accord. Mais non, globalement, mais à l'école, tout se passe en groupe. Et le groupe joue un rôle absolument essentiel. Et à un âge où il est essentiel de vouloir faire partie du groupe, pourquoi se moque-t-on? Parce qu'on est méchant, parce qu'on est pervers? Ou beaucoup plus simplement parce que tout le monde le fait? Il y a quelque chose de mimétique dans le harcèlement. On se moque parce que tous les autres se moquent, on répète le surnom parce que tous les autres le répètent, et on se moque aussi pour peut-être éviter qu'on se moque de nous. Oui. Donc le rôle du groupe est essentiel au point que certains chercheurs, Anatole Picasse en particulier, préférera de très loin le terme de mobbing à celui de bullying, puisque mobbing renvoie à l'idée du mob, c'est-à-dire de la foule mobilisée, de ce groupe qui est capable de faire n'importe quoi. Et puis, c'est l'incapacité pour celui qui subit cette violence de se défendre seul, de se défendre par lui-même. Oui, ça c'est une... Justement, peut-être parce que c'est un phénomène de groupe et qu'une agression qui viendrait de la part de quelqu'un d'isolé, on pourrait peut-être davantage se préparer à riposter. La violence de groupe est extrêmement difficile à contrer. Donc l'élève qui est en situation d'intimidation est dans une situation de fragilité, dans une situation de vulnérabilité. Quelles sont les caractéristiques des élèves cibles? Là encore, j'aimerais qu'on ne fasse pas de caricatures parce que j'en entends trop souvent des caricatures. Ça fait 20 ans que je suis sur le sujet, croyez-moi que des experts autoproclamés, j'en ai vu arriver, et qui disent à peu près n'importe quoi sur le sujet. Et parmi toutes ces choses qu'on dit sur le sujet, on s'imagine que les élèves harcelés, ils ont un problème. On psychologise tout ça, voyez. Quelquefois, on les envoie même chez le psy. Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas le faire des fois. Mais on psychologise, on se dit, ah,
c'est bien qu'il y ait un petit quelque chose qui ne va pas. Comme si c'était de la faute de l'élève. Mais ressongeons à Charles Bovary. N'importe qui dans cette classe-là, arrivant dans ce contexte-là, aurait eu toutes les difficultés du monde. On s'imagine que le harcèlement, c'est comme la discrimination. On s'imagine que c'est telle ou telle catégorie qui serait atteinte. Un jour, il n'y a pas longtemps d'ailleurs, une journaliste voulait faire un sujet sur le harcèlement des premiers de la classe et des derniers de la classe. J'ai failli lui dire, et pourquoi pas le harcèlement en direction des cyclistes ? Mais pourquoi voulez-vous que les premiers de la classe soient plus persécutés que les derniers ? Pourquoi voulez-vous que les derniers soient plus persécutés que les premiers ? Il y a des premiers de la classe qui sont persécutés, il y a des premiers de la classe qui ne sont pas persécutés du tout. Il y a les derniers de la classe, et d'autres pas. Et finalement, en disant ça, c'est-à-dire en imaginant que les élèves, il y aura un profil type de l'élève victime, on fait exactement comme les élèves harceleurs. Quelque part, on leur donne raison. On dit, ah ouais, ben, il est quand même spécial. C'est peut-être à lui de changer. Vous vous rendez compte? L'élève qui en prend toute la journée plein la tête, on va lui dire, ah, mais c'est peut-être un peu de ta faute, peut-être que on va lui dire gentiment, bien sûr. Il faudra un jour qu'on fasse la liste des choses que les élèves victimes de harcèlement ne veulent plus entendre. Il faudra qu'on... Je pense déjà à certains... Parmi les anciens harcelés, il y a des gens qui ont aujourd'hui un talent et qui écrivent. Je pense vraiment qu'il faudrait faire un texte là-dessus, sur les formules que les élèves harcelés ne veulent plus entendre. On en citera quelques-uns. Non, il n'y a pas de profil type. Marie Cartier, qui est psychothérapeute, qui a été enseignante et puis qui aujourd'hui est psychothérapeute, spécialisée dans la souffrance scolaire, dit depuis que je reçois des élèves victimes de harcèlement dans mon cabinet, s'il y avait un profil type de l'élève victime, il y a longtemps que je m'en serais rendu compte. Deux caractéristiques communes, l'incapacité à se défendre seul, nous l'avons dit, et puis une difficulté à parler de leur souffrance. Le silence des cibles n'est pas accidentel, il n'est pas il est directement lié à la réalité du phénomène. Si les élèves n'en parlent pas, c'est parce qu'ils ne peuvent pas en parler. C'est une difficulté énorme, très importante pour arriver à en parler. Tout d'ailleurs enferme les cibles dans le silence. Tout est là pour empêcher les cibles de parler. La crainte que les responsables de l'établissement n'alertent leurs parents et la honte qu'ils pourraient en ressentir, l'appréhension qu'ils peuvent avoir de les décevoir, la crainte des réactions de l'école, la crainte des sanctions, la crainte des représailles. C'est pour ça que la méthode que je développe et dont je vous parlerai tout à l'heure est une approche qui est strictement non blâmante, enfin non pas strictement non blâmante, qui est non blâmante au départ. Elle peut, on peut après, hein, on verra après. Au départ, c'est non blâmant. La honte, la gêne de passer auprès de ses camarades pour celui qui ne réussit pas, et puis pour un élève. Et ça, ils font tout cela, croyez-moi, pendant les 10 premières années, j'ai beaucoup écouté la parole des victimes. Maintenant, j'écoute davantage la parole des harceleurs, mais pour essayer de les faire changer de posture. Mais je peux vous assurer qu'ils ont spontanément tendance à se dire « c'est de ma faute, je ne suis pas l'élève que je devrais être, je ne suis pas l'élève que mes parents souhaiteraient, je ne réussis pas comme on voudrait que je réussisse ». Donc forcément, bien sûr, ils intériorisent les choses, ils culpabilisent. Alors si en plus on va leur laisser entendre dans les remarques qu'on peut leur faire, que c'est peut-être un peu de leur faute et qu'il y a peut-être quelque chose d'un peu dérangé chez eux, vous avez bien compris qu'on les enfonce un petit peu plus dans leur mal-être. Alors regardez, l'incapacité à se défendre seul et la difficulté à en parler sont les deux caractéristiques constitutives
de l'intimidation. Ce sont les deux caractéristiques des cibles. Eh bien, qu'est-ce qu'on dit aux victimes de harcèlement? On leur dit, mais pourquoi tu te laisses faire? Autrement dit, l'incapacité à se défendre par eux-mêmes fait partie du phénomène. Eh bien, on va leur dire, comment ça se fait que tu n'arrives pas à te défendre par toi-même? J'étais en mars dernier avec Marie Cartier et Bertrand Gardette à une importante manifestation qui a eu lieu à Lyon autour de la question du harcèlement. Et il y avait parmi les invités le sportif, l'athlète, champion olympique, Christophe Lemaître. Ce garçon, avant de devenir l'athlète que l'on connaît, a été victime, lorsqu'il était adolescent, a été victime de brimades répétées. Et il a eu cette phrase, il a eu cette remarque extrêmement intéressante. Il disait, bien sûr, c'est très déplaisant de recevoir ces brimades régulières de la part des camarades de la classe, mais ce qui est peut-être encore plus dur, en tout cas ce qui vient rajouter du malaise, c'est l'entourage, les amis, les adultes de l'établissement, les parents parfois qui disent « Pourquoi tu te laisses faire? T'as qu'à te défendre !» Alors, on leur dit « Te laisse pas faire !» Ou alors, on leur dit « Mais pourquoi t'en parles pas ?» Autrement dit, on leur dit exactement ce qu'ils ne peuvent pas faire. Vous vous rendez compte? Les conséquences, on les connaît bien. Maintenant, baisse des résultats, perte du goût au travail, absentéisme. Comment voulez-vous vous rendre à l'école et travailler efficacement à l'école lorsque, au quotidien, ce ne sont que des moqueries. Des conséquences psychologiques évidentes, mais ne mélangeons pas la cause et les faits. Les conséquences psychologiques, enfin, les problèmes psychologiques sont la conséquence du harcèlement, pas la cause. Des épisodes dépressifs, et quelles conséquences à long terme? Et quelles conséquences à long terme? Une enquête de 2015... sur un échantillon de 683 adolescents par des chercheurs britanniques, montre que le taux de dépression est multiplié par 3, qu'un tiers des dépressions chez le jeune adulte pourrait avoir pour cause les phénomènes d'intimidation. Et selon l'enquête de l'UNICEF de 2014, le risque suicidaire serait multiplié par 4. Donc vous voyez que ça n'est pas... c'est aussi un vrai problème de santé. C'est aussi un vrai problème de santé publique. Il n'y a pas de profil de l'élève intimidé, il n'y a pas de profil des victimes, y a-t-il un profil des intimidateurs? Lundi, c'est le jour des plaques, t'es au courant de ça? T'inquiète pas, reste là, oh. Si je te le rends pas, tu vas faire quoi? Hein? Qu'est-ce que tu vas faire? Viens arrêter là. Quoi, arrêter? Arrêtez quoi? Hé, reste tranquille là. Il est juste là. Voilà, un beau moment de démagogie. Il en faut. Vous imaginez, vous vous représentez un groupe de méchants absolus. Ils sont méchants ontologiquement. C'est inscrit dans leur être. Et donc, puisqu'ils sont méchants, ils ont décidé que le lundi, ce serait le jour des claques. Et alors, ils tombent sur une victime, toute faible, toute petite, qui est probablement un profil type. Et puis en face, vous avez le témoin qui alors lui regarde, ne sait pas quoi faire. Mais à Liège, le lundi, c'est le jour des claques? Non, ni le mardi, ni jamais. Vous représentez quelque chose qui n'existe pas. Vous concevez des espèces de méchants absolus, des pervers. Chacun, en regardant cela, peut se dire, vous êtes enseignant, chef d'établissement, vous dites, dans mon établissement, il n'y a jamais ça. Hein. Lundi, ce n'est pas le jour des claques. Donc, il n'y a pas de harcèlement chez moi. Vous êtes parent. Mes enfants, faire ça, jamais. Ah, ils ont peut-être donné un surnom à leur copine. Hein. Mais ça, ils ne l'ont jamais fait. Et c'est vrai.
Non, mes enfants, ils n'ont jamais fait ça. Non, non, mon enfant, c'est lui. C'est lui. C'est le témoin. Et vous êtes élève, vous vous dites, moi, je n'ai jamais fait ça. Et puis alors, quel mépris, mais quel mépris pour tout le monde, y compris pour les intimidateurs. On ne leur reconnaît même pas les tourments de Macbeth, l'angoisse infatigable qui torture son âme. Non, ça, non. On ne se pose même pas ce genre de questions. Vous voyez que ça, c'est la catastrophe absolue. Hein. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a prescription. Puis c'est en France. Non, parce que c'est 2012, oui. Mais non. Dans ces dires, on peut dire, ah oui, on l'a montré à ma fille la semaine dernière. D'accord. Non, désolé, les intimidateurs, ce ne sont pas les enfants des autres, ce sont nos élèves, ce sont nos enfants, et c'était peut-être nous-mêmes lorsqu'on était à l'école, lorsqu'on était plus jeune. Vous êtes en train de vous dire pourquoi il ne parle pas du cyberharcèlement. Ça tombe bien. Le cyberharcèlement va avoir 17 ans. C'est en 2002 que des chercheurs ont identifié les premiers cas de cyberharcèlement. D'ailleurs, l'origine même est intéressante. Les circonstances dans lesquelles le cyberharcèlement a été porté à la connaissance des chercheurs est intéressante. C'est la mésaventure d'un garçon canadien. Il a 15 ans lorsqu'il se filme lui-même dans une salle de l'établissement où il travaille. Il se filme lui-même en train de mimer une scène de la guerre des étoiles. Bon, il est un peu ridicule comme on l'est à 15 ans lorsqu'on mime une scène de la guerre des étoiles. Et il laisse traîner la vidéo dans le collège. Et deux de ses camarades, sans peut-être forcément penser à mal, vont numériser la vidéo, et puis, c'est une cassette à l'époque, et puis la mettre sur les sites de partage de l'époque. De l'époque. Si vous allez sur... n'y allez pas. Vous verrez que c'est par millions, sur le seul site YouTube, que cette vidéo a aujourd'hui été regardée. C'est-à-dire que on a bien vu avec le cyberharcèlement l'ampleur de la catastrophe. C'est-à-dire qu'une bêtise, une blague de potache, cette vidéo qui n'aurait pas dû sortir de l'établissement, tout à coup, mise en ligne, sans que les garçons n'aient rien répété du tout. Ils n'ont fait l'acte qu'une seule fois. La répétition, c'est le système qui va mettre les choses en l'œuvre. Donc on a bien vu les conséquences gigantesques, l'extension du phénomène, tout à coup, grâce ou à cause des moyens contemporains de communication et d'information, la persécution peut s'étendre à une dimension planétaire. Le garçon, aujourd'hui, sa famille avant, ont tout fait, il est adulte, bien sûr, aujourd'hui, ont tout fait pour essayer de faire disparaître cette vidéo, elle y est toujours. Et puis, un chercheur luxembourgeois, Georges Tevgen, dit dans le cyberharcèlement, il y a des tierces personnes qui n'y sont pour rien, qui sont sollicitées en quelque sorte. Il y a une quantité d'autres personnes qui vont intervenir, certaines consciemment, d'autres non. Il y en a qui ont rajouté de la musique sur la vidéo, qui ont rajouté la musique de la guerre des étoiles. Un autre a mis des effets vidéo, des effets lumineux au bout du bâton. D'autres y participent de façon beaucoup moins volontaire ou consciente. Qu'est-ce que je suis en train de faire, voilà? Et vous croyez que je ne vous vois pas sur votre smartphone? Vous êtes en train de regarder la vidéo. Donc, vous voyez, on rentre dans une planète bien différente et rien n'a permis d'établir que le cyberharcèlement augmentait le taux de harcèlement. En revanche, ça amplifie de façon considérable les effets, les conséquences du phénomène. Je soutiens, moi, que le cyberharcèlement se présente sous la forme de deux scénarios assez différents. Le premier, ce qui est le plus classique, et j'allais dire heureusement parce que c'est celui qu'on peut le mieux traiter et qu'on sait le mieux traiter. C'est celui par lequel ce qui a commencé à l'école se continue le soir en ligne et ce qui est dit le soir en ligne, vous le retrouvez le lendemain matin à l'école.
ça n'en finit pas. Aujourd'hui, d'ailleurs, y a-t-il du harcèlement, en tout cas, peut-être chez les plus petits, je ne sais pas, en tout cas, chez les plus grands, y a-t-il aujourd'hui du harcèlement qui ne serait que à l'école ? Harcèlement et cyberharcèlement sont directement en liaison l'un et l'autre. Et bien sûr, ça fait une extension du phénomène dans l'espace comme dans le temps. Ce qui ne se voyait, ce qui n'était vu que dans une cour de récréation, s'étend à toute la planète. C'est dans une cour de récréation mondiale que jouent maintenant les jeunes gens. Extension dans l'espace, donc une photo, une vidéo peut faire le tour de la planète en l'espace de quelques clics. Extension dans le temps, c'est non-stop. Ce qui s'arrêtait aux portes de l'école et ce qui s'arrêtait dans le temps scolaire, le domicile n'était pas atteint. Bien sûr que le domicile maintenant est atteint. Cela va fragiliser encore plus les cibles. L'enquête de l'UNICEF dont je parlais tout à l'heure montre que le harcèlement est corrélé avec tous les risques de l'adolescence. L'absence de face-à-face, évidemment, ne favorise pas l'empathie. Il y a des effets de meute sur les réseaux sociaux, on les connaît bien. Tout cela accroît de façon considérable le phénomène. Il me semble que pour réduire cette première forme ou pour traiter cette première forme de cyber-intimidation, on peut, ce que je vais dire tout à l'heure du traitement des situations, marche aussi pour le cyber-harcèlement. En revanche, lorsque nous sommes dans l'autre scénario, lorsque nous sommes, et d'ailleurs oui, je cite ici Olveus, Dan Olveus, chercheur norvégien dont je parlais tout à l'heure, en 2012, a écrit un texte qui était peut-être un petit peu provocateur, puisqu'il avait pour titre « Le cyberharcèlement, un phénomène surévalué ». Et il disait en substance « Traitons les phénomènes d'intimidation à l'école et on verra diminuer le taux de cyberharcèlement ». Et lorsqu'on est dans cette première forme de cyberintimidation, je suis assez d'accord avec lui. En revanche, lorsque on est dans l'autre scénario... Non, ça va trop vite. La technique se venge. Lorsque l'on est dans l'autre forme de cyber-intimidation, c'est-à-dire lorsque c'est quelque chose qui se passe en ligne, qui va avoir des conséquences à l'école. C'est une photographie ou une vidéo qui circule sur Internet et qui est l'occasion qui crée le phénomène du harcèlement à l'école. Là, on est dans un cas de figure beaucoup plus dangereux, beaucoup plus difficile à traiter, et sur lequel je voudrais évidemment m'arrêter, parce qu'il me semble que c'est le risque majeur pour les années à venir. Le sexting me semble être la forme la plus... dangereuse, et j'allais presque dire, c'est là qu'on voit écrire au très gros ce qu'est la cyber-intimidation sous cette forme. Et là, évidemment, puisqu'on va en venir maintenant aux modalités de traitement, évidemment, il faut ici des moyens spécifiques. Alors, regardons la vidéo, puisqu'elle commence. Megan. Nice. All right, quiet down. Thank you. Quiet, please, everyone. Shane Andrews. Yes. Emily Abbott. Yeah. Graham Carl. Yes. Jessica Collins. Here. Kate Copper. Present. Charles Douglas. Yep. Sarah Dobson. Here. Kerry Hall. Present. Brent Holbrook. Yep. Claire Henderson. Yep. Regan Simpson. Yes. Megan Edgerton.
Megan? Megan? Megan Edgerton? Megan? Think. Voici décrit à travers cette vidéo, qui est une vidéo australienne qui a été réalisée en 2009 dans le cadre d'une campagne contre le sexting. Voici il s'agit véritablement d'un drame en trois actes. À l'acte 1, il y a une photographie ou une vidéo qui a été prise ou confiée ou volée dans un cadre qui devait rester intime. Une juriste française, Amélie Robitaille-Froidure, reprenant d'ailleurs les travaux d'une juriste américaine, Elizabeth Ryan, enfin non, Elizabeth Ryan n'est pas juriste, mais bref, peu importe, fait la distinction entre le sexting primaire et le sexting secondaire. Sexting primaire, Amélie Robitaille-Froidure dit, c'est un flirt high-tech. C'est un flirt avec un échange de photographies. Le sexting secondaire commence lorsque, par trahison, cette photographie qui avait vocation à rester intime, privée, est tout à coup sortie de ce domaine pour rentrer dans la sphère publique. Il y a une trahison à la base du sexting secondaire. Et cette photographie qui va arriver nécessairement sur le portable d'un certain nombre d'adolescents, eh bien, au lieu d'être détruite ou renvoyée à l'expéditeur, cette photographie, elle est immédiatement, avec la même facilité que l'on reprend un surnom ou que l'on se moque, cette photographie, elle est réexpédiée à tous les élèves. Ce qui fait qu'en quelques clics et en quelques minutes, la photographie a été vue absolument par tout le monde. Tout de même, il faudrait que dans chaque classe et que le soir à table, dans chaque famille, on pose la question, qu'est-ce que tu fais lorsque tu reçois une photographie de ce type ? Si chacun détruisait cette photographie et alertait immédiatement un adulte, il n'y aurait pas de sexting secondaire. Et les conséquences qu'on a connues, parce que, à ma connaissance, mais seulement à ma connaissance, parce qu'il y a quantité de situations qu'on ne connaît pas, le premier cas de sexting, c'est, je crois, Jessica Logan aux États-Unis en 2008, et depuis, c'est de l'ordre d'une dizaine de suicides, pas de tentatives, de suicides, qui ont eu pour cause, qui ont eu pour origine des photographies de ce type. Donc, si on veut arrêter le sexting, la priorité, c'est de faire tomber ce message très clair, très injonctif. Il n'y a que la parole de l'adulte qui peut dire « Cette photo, tu l'as détruite. Attention, c'est trop grave. » Et là encore, je ne sais pas ce qu'il en est en Belgique, mais en France, les pouvoirs publics ont mis un moment avant de réagir sur la question du sexting. Ils l'ont fait, mais ils ont mis un petit peu de temps. La campagne, c'était la campagne de l'année dernière, hein, c'était 2018. Mais à ce stade, ça n'est pas encore du harcèlement. Ça devient du harcèlement quand ? Lorsque, à l'école, les élèves de la classe, les garçons et les filles, au lieu de venir en aide à la victime, que font-ils et que font-elles ? Ils vont toutes et tous tomber, non pas sur celui qui a trahi, non pas sur ceux qui ont réexpédié la photographie, sur qui ? Sur la victime. Tiens, encore une fois, c'est la faute de la victime. Qu'est-ce qui se passe dans la tête des jeunes gens ? Peut-être pas seulement dans la tête des jeunes gens. Que se passe-t-il pour qu'il y ait un tel désordre moral et civique qui fait que l'on confond les agresseurs et la victime ?
dans un texte de 2013, avec Bertrand Gardette, nous avions tenté d'examiner les situations à travers la presse anglaise et américaine, les situations de sexting qui, hélas, avaient débouché sur des suicides. Et on s'était rendu compte que finalement, ces jeunes filles, c'était dans tous les cas des jeunes filles, évidemment, avaient souffert autant du phénomène que de l'absence de soutien de la part de l'entourage. Et là encore, il y a un message à faire passer aux jeunes gens. Qu'est-ce que tu ferais si, dans ta classe, un garçon ou une fille était prise dans le piège du sexting? Il est impératif de lui venir en aide. Et là, nous ne nous y trompons pas. Les remarques que l'on fait aux élèves harcelés en leur disant « Pour que tu te laisses faire, t'as qu'à en parler, t'as qu'à faire ceci, t'as qu'à faire cela », sont encore bien plus graves dans la situation du sexting. Lorsqu'on va dire à ces jeunes filles, à la victime, pourquoi t'as envoyé cette photographie ? On ne fait rien d'autre que l'enfoncer un petit peu plus dans son mal, dans son mal-être. C'est, vous savez, aujourd'hui, et demain encore plus, les possibilités de prendre quelqu'un en photo dans une situation gênante, humiliante, indécente, seront multipliées par je ne sais combien. Ils se commercialisent, on trouve sur des sites internet, ayant tout à fait pignon sur rue, on trouve de la publicité pour des lunettes dont on dit personne ne verra, personne ne saura qu'il y a dedans une caméra et un appareil photo. Vous croyez que je suis en train de vous regarder? Pas du tout, je suis en train de vous filmer. Vous voyez, donc les possibilités, il faudra, qu'on le veuille ou non, vivre avec ce risque. Eh bien, la priorité est de dire aux jeunes gens, qu'est-ce que tu fais lorsque une fille de ta classe est prise dans le piège du sexting? Je lui viens en aide. Il n'y a pas à discuter avec ce genre de choses. Et il n'y a pas à se rendre complice de, oh non, de je ne sais quoi. Hein. Parce que c'est très bien montré dans la vidéo. Vous savez, j'ai voulu pendant un temps faire passer une enquête sur le sexting dans les classes. On a commencé, on a recueilli 500 signatures, et puis on a arrêté, parce que c'était vraiment très éprouvant de faire passer cette enquête. On faisait passer la vidéo que vous venez de voir, on avait assorti cela d'un questionnaire, on avait donné un prénom à chacun des protagonistes, et on faisait passer un questionnaire. Et puis après, on se gardait les 30-35 minutes qui restaient pour discuter avec les classes. Si vous saviez, je les ai toutes notées, et puis on va les publier, puisqu'il y a un livre qui sort en janvier, publicité gratuite. Si vous saviez ce qu'on a entendu, toutes les remarques de la part des élèves étaient toutes dirigées contre la victime, en la traitant de tous les noms. Le sexting, c'est une situation d'urgence absolue. Une victime prise dans le piège du sexting, elle est en danger de... elle est en danger de mort. Il faut donc tout faire pour que... il faut s'attendre à ce que cette jeune fille reçoive de tous les côtés des messages négatifs. De la part de ses pairs, inévitablement. De la part de sa famille, c'est possible. De la part de certains adultes de l'établissement, c'est possible aussi. Il faut opposer à ces messages négatifs des contrefeux. Il faut que le soutien en direction des victimes de sexting soit sans la moindre faille. Sinon, on aura une responsabilité dans les drames qui viendront. Je vous ai parlé de Marie Cartier. Je vais vous faire écouter la petite vidéo qu'elle a réalisée pour le site Non au harcèlement. Regardez ce qu'elle dit, regardez quel est son point de vue de thérapeute sur la question du sexting et quels sont finalement les bons réflexes qu'il faudrait adopter face au sexting. Le sexting non consenti expose un ou une élève à subir des brimades, voire du harcèlement de la part de ses camarades, de manière souvent massive et très violente. Alors on déplore tous que les élèves s'en prennent à l'élève qui a déjà subi une trahison, puisqu'une photo ou une vidéo intime a été dévoilée contre son gré. Or, lorsqu'on s'intéresse aux réactions des adultes, qu'il s'agisse des parents
ou des personnels des établissements scolaires, on s'aperçoit que les toutes premières remarques adressées à la victime sont la plupart du temps « Pourquoi as-tu pris une telle photo de toi ? Pourquoi l'as-tu partagée, même en privé ?» Autrement dit, « Pourquoi as-tu été aussi imprudente ?» Les adultes qui ont pour réflexe ce genre de réaction font, sans s'en rendre compte, exactement la même chose que les harceleurs. Ils accusent la victime, l'élève victime, d'avoir commis une erreur, voire une faute. Autrement dit, d'être responsable en premier lieu de ce qui lui arrive. Étant donné l'extrême violence de ce type de harcèlement, il est clair que la moindre remarque maladroite peut plonger la victime dans le désespoir, avec des conséquences dramatiques. Il est donc urgent, en premier lieu, à court terme, avant de faire évoluer les mentalités des jeunes, de clarifier ce que les adultes doivent dire à l'élève touché par le sexting non consenti. Il est hors de question d'évoquer la maladresse ou l'imprudence de la victime. Ce serait insupportable pour elle, voire fatal. Il y a donc des phrases à lui dire qui sont « Toi, tu n'as absolument rien fait de mal. Je suis entièrement de ton côté. Nous sommes entièrement de ton côté. Les coupables, ce sont ceux qui ont partagé la photo ou la vidéo. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour te soutenir et pour te protéger autant que possible. Et par ailleurs, toi, tu n'as pas à avoir honte. Et si cela est difficile pour toi, nous allons te diriger vers une personne qui peut te soutenir psychologiquement, car il ne faudrait pas prêter le flanc au harceleur. Par ailleurs, les personnels des établissements scolaires doivent aussi soutenir les parents de l'élève qui est touché, en leur adressant le même genre de message. Votre enfant n'a absolument rien fait de mal. Nous sommes entièrement de son côté et avec vous, afin d'aider ses parents à soutenir eux-mêmes leur enfant sans culpabilité. Alors, disons un mot maintenant de ce qu'on a vu très largement, ce qu'on peut faire, je pense, sur le sexting, mais j'ai même d'autres idées, mais je les développerai dans la discussion s'il y a des questions dessus. Mais revenons maintenant à comment traiter dans les établissements scolaires, et disons un mot dans la dernière partie de cet exposé, de cette méthode dite de la préoccupation partagée, que j'ai très librement adaptée de la méthode d'Anatole Picasso, méthode, et qu'on a développé en France dans plusieurs centaines d'établissements, et puis maintenant elle est reprise dans un plan ministériel, donc elle va être encore plus étendue, et puis on l'a développée très largement dans la Suisse romande, particulièrement dans le canton de Neuchâtel. Ce sont plusieurs milliers de professionnels qui sont maintenant formés dans plusieurs centaines d'établissements. C'est une méthode qui nécessite la constitution par établissement d'une équipe ressource. Alors, il y a certaines équipes qui sont de 3, 4, 5 personnes, il y en a d'autres qui sont plus importantes, mais il faut vraiment qu'il y ait une équipe qui soit spécialement dédiée au travail en direction à la fois des victimes, c'est-à-dire la prise en charge des victimes, et deuxièmement, ah oui, il y a une erreur, là j'ai écrit deux fois la prise en charge des victimes. C'est la prise en charge des victimes et la prise en charge des intimidateurs. C'est-à-dire qu'on prenne en quelque sorte, et c'est ça le travail qu'on a fait avec Marie Cartier, et c'est de cette façon-là qu'on a un peu fait évoluer la méthode dite Picasso, pour la transformer en un modèle plus franco-roman, c'est les FR, hein, la France et la Suisse romande, bientôt la Belgique. Hein. Pour constituer vraiment un modèle original, de prendre en quelque sorte, j'allais dire, le harcèlement par ces deux extrémités. D'un côté, en travaillant avec les victimes, de façon à les reconstituer, de façon à faire en sorte qu'elles n'aient plus peur, à leur redonner confiance en elles-mêmes, et de l'autre, travailler avec les intimidateurs de façon à ce qu'ils changent de posture. On essaye de prendre en quelque sorte l'intimidation en étau par les deux extrémités. Donc vraiment des équipes qui sont spécifiquement formées à cet ensemble de méthodes. Comment est-ce que les choses se passent? Alors c'est une approche non blâmante, mais on en parlera un autre jour de ça. Il ne faut pas aller trop vite non plus quand même.
rien ne marche. Décidément, on va mettre en ligne. C'est un vrai problème. Voilà. Alors, voici sur le papier comment se constitue, comment est, se réalise la méthode. Sitôt qu'une situation d'intimidation est portée à la connaissance des professionnels. Et je dis bien sitôt, c'est-à-dire qu'il ne faut absolument pas attendre. Si la situation est portée à votre connaissance demain matin, demain à 8h, à 10h, on aura rencontré la cible, à 11h, on aura déjà commencé à rencontrer les intimidateurs. Et d'ici vendredi, on aura vu tout le monde. La méthode est efficace dans 8 cas sur 10. Toutes les enquêtes qui ont été réalisées, et en France en particulier, dans une récente, hein, puisqu'on a évalué la méthode là où on avait commencé par l'implanter, c'est-à-dire à Versailles, dans l'Académie de Versailles, c'est 8 cas sur 10, c'est 82% de, 82% de réussite. La réussite se mesure nombre de situations traitées, nombre de situations résolues. Quels sont les deux cas dans lesquels ça ne marche pas? Je n'en sais rien. Toujours est-il qu'il y a une situation dans laquelle ça ne marche pas, c'est quand on prend son temps. On retarde, vous voyez. Non, immédiateté de la mise en œuvre. Sitôt qu'un élève vous signale, mais je préfère, moi, là encore, n'attendons pas que cela devienne du harcèlement. Un garçon, une fille qui dit que ça ne va pas. Les parents qui signalent une situation. Mon enfant est isolé, mon enfant, on se moque de lui. On traite. La première étape va consister d'abord à apporter à la victime, et c'est pour ça qu'on forme un personnel au sein de l'équipe spécifiquement à l'accompagnement des cibles, c'est Marie Cartier qui s'en charge, qui sont spécialement formés à d'abord éviter toutes les remarques maladroites dont je vous ai parlé tout à l'heure, toutes, et à créer une espèce d'alliance avec la victime, prendre au sérieux sa souffrance, faire en sorte que dans chaque établissement, puis vous savez, on s'est lancé un défi, hein, il y a 5 ans, quand j'ai commencé, moi, à développer la méthode à grands modules en France, quand on a commencé avec quelques collègues dans l'Académie de Versailles, on ne savait pas trop où on allait. Mais on s'est dit, après tout, cette méthode, on était absolument convaincus, on l'avait utilisée, on savait qu'elle marchait, on s'est dit, il faudrait que dans 5 ans, elle soit généralisée, reconnue par les pouvoirs publics et très largement développée. On y est parvenu. Mais il faudrait se lancer un autre défi, c'est-à-dire se dire que dans 5 ans, il faudrait qu'il y ait dans chaque école, dans chaque collège, dans chaque établissement scolaire, il faudrait qu'il y ait une équipe de ce type spécialement formée au traitement des situations. Pourquoi n'y arriverions-nous pas? Donc d'abord, dans cette phase, dans cette rencontre, la victime va rencontrer quelqu'un qui va la prendre au sérieux, qui va écouter sa souffrance, qui va avoir cette espèce d'écoute empathique. On traitera la situation et on l'accompagnera jusqu'au bout. On ne la laissera pas tomber. Et puis au cours de ce premier entretien, et plus on aura créé une alliance avec elle, plus elle aura avec nous cette écoute, elle aura reçu cette écoute empathique, plus elle acceptera volontiers de répondre à la question « Mais qui est-ce qui t'ennuie ?» Qui sont les élèves qui prennent part à cette intimidation? Et elle va nous donner le nom de certains élèves. Si elle ne nous donne pas, on se renseignera autrement, on posera la question au professeur, mais très vite. Hein, et de toute façon, on lancera les entretiens. Première phase, soutien inconditionnel de la cible. On ne la laissera pas tomber, on restera avec elle. C'est pour ça qu'il faudra ces phases de suivi. Ensuite, la seconde étape, c'est la rencontre avec ceux dont on nous a donné le nom. Les intimidateurs présumés, on va les appeler comme ça, ceux qui ont participé aux moqueries. On va interroger 5, 6, 7 élèves de la nécessité d'avoir une équipe. Parce que pendant que l'un en rencontre un collègue en rencontre un autre, ce qui fait qu'en 3 jours, on a réalisé la première série d'entretiens.
l'entretien exige une posture très très particulière de l'intervenant, qui est un mélange de courtoisie, on est très courtois, pas du tout blâmant, pas du tout sanctionnant au départ, mais en même temps un mélange de fermeté. Je vais recevoir l'élève et je vais lui dire « Bonjour, merci d'être venu me voir, je suis content de vous rencontrer. Je voulais vous parler de la situation d'un garçon ou d'une fille de votre classe. C'est, je donne son nom, il ne va pas bien du tout actuellement. Je suis très inquiet pour sa situation. Qu'est-ce que vous pouvez m'en dire ?» Jamais un seul instant je n'évoque les faits. Les faits, je les connais, mais je ne les évoque jamais. Je n'évoque qu'une seule chose, la préoccupation qui est la mienne, l'inquiétude que j'ai pour cet élève qui ne va pas bien. Je veux l'amener, méthode de la préoccupation partagée, je veux l'amener vers ma préoccupation. Alors bien sûr, il n'est pas rare que l'élève vous réponde « Ouais, j'ai rien fait, moi j'y suis pour rien, c'est pas moi, pourquoi on me convoque, etc. » Vous voyez le genre. Je vous convoque pas, moi. Je veux juste que vous me parliez de la situation de... Je suis pas là pour punir, c'est pas mon rôle. Je veux juste que vous me parliez de la situation de cet élève parce qu'il ne va pas bien. Si celui que vous avez en face de vous vous répond avec la plus parfaite des mauvaises fois, je ne le connais pas, mais de toute façon il va très bien, vous mettez fin à l'entretien. Aussi courtoisement qu'on l'a commencé. Ah, vous n'avez rien observé. Bon, ben écoutez, on va se revoir. Hein. Je vais vous demander d'être attentif. On est mardi. Écoutez, on va se revoir vendredi. Et vendredi, je recommence. Et si vendredi ne se passe rien, je recommencerai encore. Il se lassera avant moi. C'est très clair. Il ne faut pas croire, il n'y a pas besoin de 3 entretiens. Surtout qu'on va faire ça avec chaque élève. Vous voyez ? Sitôt que l'élève a reconnu que celui qu'on a rencontré, celui qui rencontre des difficultés n'allait pas bien, on passe à la seconde phase. La première phase, c'est la recherche de préoccupation. J'amène l'élève vers cette préoccupation. La seconde phase, c'est celle par laquelle je vais chercher des suggestions. Dès qu'il a reconnu que l'autre n'allait pas bien, je vais lui dire « Mais alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire ?» Et qu'est-ce que vous pourriez faire vous-même pour que ça se passe mieux, pour lui ou pour elle? Là encore, ça ne va pas toujours tout seul. Vous avez celui qui va vous répondre « j'en sais rien, moi, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas moi quoi faire, c'est pas à moi de trouver des solutions, il n'y a qu'à se débrouiller tout seul. » On met fin à l'entretien, aussi courtoisement qu'on l'a commencé, et on le revoit d'ici quelques jours. Et on fait ça avec chacun. Mais il ne faut pas croire, il y en a un qui ne va pas lâcher, mais il y en a un qui va lâcher. Et après, par une espèce de phénomène de mimétisme, vous savez, le harcèlement est un phénomène mimétique. Pourquoi est-ce qu'on se moque? Parce que tous les autres se moquent. Pourquoi est-ce qu'on rit? Parce que tous les autres rient. On leur suggère, on leur offre un autre modèle de mimétisme. Je leur demande de venir me rejoindre, je leur demande de me rejoindre sur l'inquiétude qui est la mienne. Je leur demande quelque part de m'imiter. Et je les place en situation de trouver une solution au problème qu'ils ont créé. Eh bien, et ça a surpris tous ceux qui ont utilisé la méthode, parce que la méthode, quand on la regarde sur le papier, moi-même j'ai eu cette réaction, hein, la méthode, quand on la regarde sur le papier, on se dit « ça ne peut pas marcher ». On confond tout. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que ça marche. Placer les élèves en situation de trouver eux-mêmes une solution au problème qu'ils ont créé, ils adhèrent de façon extraordinaire. En plus, ils n'ont pas trop le choix. Parce que courtoisie, mais obstination. Je ne lâche rien. Et je continuerai les entretiens jusqu'à ce qu'ils aient trouvé une solution. Et s'ils n'en trouvent pas, alors là, pour le coup, et là, moi, j'ai un peu précisé les choses par rapport à Picasse, j'ai précisé les choses du point de vue de la sanction. Si au bout de 2 entretiens, il ne se passe rien, si vous avez en face de vous un front du refus des élèves qui ne veulent rien entendre, qui ne veulent pas vous parler, ben là,
On revient aux vieilles méthodes. Hein. Là, il n'y a pas de. C'est pas du non blâmant pour le plaisir d'être non blâmant. C'est pas un culte sans nuance de la bienveillance. Non, non. S'il y a non sanction, si c'est une méthode non blâmant, c'est par souci d'efficacité. Vous voyez, c'est parce qu'on sait très bien que la sanction en matière de harcèlement, la sanction en matière d'intimidation, elle a très souvent des effets négatifs. Elle fédère le groupe contre la cible. Elle crée... vous savez, le harcèlement, c'est un phénomène de groupe. Qui allez-vous punir? Allez-vous punir celui qui est vraiment à l'origine de l'intimidation? N'allez-vous pas plus vraisemblablement punir celui qui a eu la bêtise de se faire prendre? Et vous allez créer un sentiment d'injustice. Et vous allez fédérer le groupe. J'ai tout le temps observé ça. D'ailleurs, si les victimes ne veulent pas en parler aux adultes de l'établissement, c'est aussi pour cela. C'est aussi parce qu'elles redoutent les effets négatifs des sanctions. J'étais, en début d'année, en janvier dernier, j'étais dans un établissement scolaire de l'ouest de la France qui forme qui a une section sportive qui forme l'élite d'un certain sport. Les élèves qui sont là ont gagné véritablement leur place de haute lutte, ils y tiennent. Et dans cet établissement surgit une situation d'intimidation assez dure. Et l'équipe, aussi bien enseignante que sportive, prend l'affaire très au sérieux et fait tomber des sanctions très dures en direction des élèves qui avaient pris part à l'intimidation. C'était, je crois, l'interdiction de plusieurs matchs. Hein. Donc pour eux, c'était vraiment la sanction maximale. Eh bien, que croyez-vous que s'est passé? L'intimidation est repartie de plus. Ben, tout ce qu'on avait réussi à faire, c'était à fédérer le groupe. Donc, le choix d'une méthode non blâmante, ce n'est pas par culte de la bienveillance, je le répète, c'est davantage par souci d'efficacité. Ces rencontres avec les intimidateurs, donc vraiment, il faut que moi, je demande aux équipes qu'une situation d'intimidation doit être traitée en 2 semaines. Si au bout de 2 semaines, on n'y est pas arrivé, c'est soit qu'on s'est trompé, soit que le problème est plus grave. Mais, première semaine, on fait la première série de rencontres. Deuxième semaine, on fera éventuellement la seconde, si c'est nécessaire. Mais, voyez, surtout que la deuxième rencontre, voyez, l'élève qui n'a pas trouvé de suggestion, d'ailleurs, il n'a pas trouvé de suggestion peut-être parce qu'il n'y a pas réfléchi, la dernière fois, je vous avais parlé de la situation de ce garçon ou de cette fille qui continue à me préoccuper parce que vraiment, il ne va pas bien. Je voulais essayer de voir avec vous qu'est-ce qu'on peut faire, quelles sont les suggestions qu'on pourrait faire pour que ça aille mieux pour lui ou pour elle. Et on va chercher avec lui les suggestions. Et les suggestions, je le répète, viennent assez vite. Chez les petits, d'ailleurs, elles sont... viennent très vite et puis elles sont d'une fraîcheur réjouissante. Chez les plus grands, c'est des fois un petit peu plus long, mais on va arrêter les moqueries, on va arrêter le surnom. Et en parallèle, en même temps qu'il y a ces rencontres avec les intimidateurs, eh bien, la personne qui s'occupe spécifiquement, de la cible va revoir d'autres fois la cible, en s'efforçant avec elle de voir si, d'abord, si les brimades ont cessé, et ça, c'est évidemment tout à fait essentiel, et puis de s'assurer qu'elle a moins peur, de s'assurer qu'elle reprend en quelque sorte confiance. Les rencontres avec les intimidateurs ont pour but, j'allais dire, d'éteindre le feu, voyez, on fait arrêter, et c'est très efficace, hein. Parce qu'ils vont se rendre compte que les adultes investissent le terrain, ils vont se rendre compte que les adultes ont vu quelque chose. Donc, et puis, ils sont un peu inquiets de cette espèce de dispositif étonnant, là, de ces adultes qui les rencontrent. Donc ça va avoir pour effet de faire chuter immédiatement l'intimidation. Ce qui sera autant de temps de gagner pour la cible qu'on pourra aider en même temps avec un travail spécifique. Mais évidemment... Tout cela suppose aussi, et on sort très largement des 15 jours, tout cela suppose aussi qu'il y ait
tout cela suppose aussi qu'il y ait des phases de suivi qui, pendant lesquelles on va s'assurer auprès de la cible que les brimades ont bien cessé, et on va s'assurer auprès des intimidateurs que les suggestions qu'ils ont faites ont bien été suivies des faits. Voilà la logique de cette méthode. Bien sûr, je développerai plus précisément devant les professionnels demain les étapes de la méthode, mais voilà en gros la philosophie qui sous-tend cette méthode. Voilà, résumé, les principales étapes. Vous trouverez, c'est de la publicité, vous trouverez à l'adresse préoccupationspartagées.org un site, une plateforme qui permet d'approfondir les étapes de la méthode, d'en savoir un petit peu plus. Vous trouverez également sur cette plateforme un film, le film La méthode de la préoccupation partagée, qui explique les principales étapes. Voilà pour quelques éléments de réflexion qui peuvent servir de base à un échange par question, si vous le souhaitez. Voilà, ben, merci Monsieur Bellon pour ce brillant exposé accessible et riche. Donc de fait, hein, on voit que finalement la moquerie fait partie de la nature humaine quelque part. Elle a toujours été là et elle sera certainement toujours là. C'est un phénomène qui n'a pas d'âge. Pour rentrer dans le harcèlement, ben, effectivement, c'est une notion de répétition qui s'inscrit dans le temps avec cette manifestation de groupe. Donc au plus tôt on peut l'enrayer, ben, au moins cela pourra faire de dégâts, au plus vite on pourra le traiter. Et je reviens à ce que je disais au début, c'est que finalement on a tous quelque part un rôle à jouer au niveau préventif, mais également dans un rôle plus d'intervention, avec une possibilité d'intervenir quand le phénomène est mis en place. Donc mes collègues ont un micro, je vous propose de vous céder la parole. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, généralement c'est la première qui est toujours un peu plus compliquée. Donc n'hésitez pas à lever bien haut la main. Merci. Je voulais vous demander, merci pour votre conférence, je voulais vous demander entre le harcèlement et la manipulation. Non, je pense que c'est mieux, là, vous m'entendez. Oui, il faut se pencher un peu. Non, la manipulation suppose déjà un certain degré, j'allais dire, de perversité. Je peux vous assurer que j'aurais dû compter d'ailleurs combien d'élèves ayant pris part à des brimades j'ai rencontrés. Je peux vous assurer que des garçons ou des filles pervers, manipulateurs, j'en ai pas rencontré. D'ailleurs, la plupart des psys sont d'accord pour dire qu'on ne peut pas parler de perversion avant l'âge adulte. Et c'est quand même un peu plaqué sur des enfants et des adolescents la réalité de quelque chose d'adulte. Donc, très souvent, vous savez, j'ai rencontré des élèves qui étaient vraiment, mais alors, tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Et des élèves qui étaient pris en conflit, j'allais dire, qui vivaient presque un drame intérieur entre la réprobation qu'ils ont à l'égard du phénomène du harcèlement et l'incapacité qu'ils ont à s'en affranchir. Parce que il ne faut pas s'imaginer qu'il y a un plaisir quelconque à être dans se maintenir dans l'intimidation. Non, on n'est pas bien. Il y avait d'ailleurs un travail d'un chercheur canadien, un petit peu ancien des travaux, qui montrait cela, c'est-à-dire qu'une très grande majorité des élèves qui participaient à de l'intimidation étaient très mal. Vous savez,
C'est pas très différent du chahut. Je suis sûr que vous avez, quand vous étiez élève, eu une classe dans laquelle il y avait un professeur qui était chahuté, non ? Ah oui, on était dans la même classe. Où est-ce qu'on était, nous ? On était là. On était dans la classe, on riait avec les rieurs, on se moquait avec les moqueurs. Mais, sur le fond, on ne se sentait pas très bien. On aurait de très loin préféré que les choses se passent autrement. Mais les élèves qui participent à de l'intimidation, ils sont exactement dans la même situation. C'est pour ça que... Après, c'est une authentique différence qui existe entre le harcèlement entre élèves et le harcèlement entre adultes. Chez les adultes, il y a des choses structurées beaucoup plus chez les enfants. Oui, une petite question. Dans les débats de cet après-midi, on a pas mal discuté du rôle de victime qu'on pouvait prendre à un moment donné, ou en tout cas, enfin, pas vraiment un rôle, le mot est mauvais, mais en tout cas le fait d'avoir été victime de harcèlement ou d'intimidation, et puis plus tard de devenir auteur. Est-ce que vous pourriez détailler, est-ce que vous avez observé tantôt ce rôle s'inverse Est-ce qu'on peut tantôt devenir auteur ou tantôt victime? Quelle est votre lecture? Chez les petits, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Chez les petits, on passe de l'un à l'autre à toute vitesse. Bien sûr. Chez les plus grands, c'est différent. Quand vous avez été victime d'intimidation, la conséquence assez immédiate de l'intimidation, c'est la perte du réseau d'amis. L'élève harcelé se retrouve très rapidement tout seul. Pour qu'il devienne harceleur, il faudrait qu'il retrouve des amis. C'est pas gagné. Il faudrait qu'il change radicalement de posture et de statut. Donc, oui, chez les petits, mais les choses ne sont pas figées. J'ai vu les choses changer. Lorsque vous avez un phénomène de groupe avec... Enfin, vous n'imaginez pas Emmeline, tout à coup, devenir persécutrice de qui que ce soit. Voyez. Donc il y a vraiment une... parce que le harcèlement déstabilise, parce qu'il fait perdre le réseau d'amis, parce qu'il fait que l'élève tout à coup est vulnérable, c'est pas les conditions qui vont lui permettre de devenir harceleur, entre guillemets. Bonjour. Bonjour. J'ai une question. Je fais des études de prof et j'ai fait un stage il y a plus ou moins un mois dans une école, dans le cadre d'un voyage scolaire. Et il y a une ado de 12 ans qui s'est confiée à moi par rapport au harcèlement qu'elle vivait. Mais je n'ai pas le statut de prof dans cette école. Et la chose un peu compliquée, c'est qu'elle m'a dit que le harcèlement avait déjà été traité par les professeurs, mais que ça ne s'était pas arrêté, et que si jamais je le disais au professeur, que ses professeurs allaient contacter sa mère, et que sa mère allait la changer d'école et l'engueuler. Oui. Et du coup, comment faire pour régler la situation? Et si les professeurs ont fait quelque chose, il faut croire que ça n'a pas été efficace. Parce que c'est ça aussi l'idée de créer des équipes. C'est de faire en sorte que... On n'a pas le succès garanti à tous les coups. Mais on sait que de toute façon, la situation, on ne la lâchera pas. On continuera à traiter par tous les moyens possibles. Et dès l'instant où une situation a été portée à notre connaissance, on ne doit jamais laisser la victime en rade, si je puis me permettre. C'est, il me semble, ce qui s'est produit dans cette situation. À part ça, la victime dont vous me parlez, elle a toutes les caractéristiques des victimes qui vivent dans la peur. Peur que les adultes alertent les parents, peur que les parents changent d'établissement, bref, peur que tout le monde ait les mauvais réflexes. L'objectif, je pense, il est d'armer les équipes de façon à ce qu'ils aient les bons réflexes. Mais là, on est dans des cas de figure qui sont tellement, tellement, tellement fréquents. J'en ai rencontré, moi, avant de développer la méthode, et j'en rencontre encore parce que je reçois du courrier, enfin des mails, donc de situations de ce type, il y en a, elles sont légion, bien sûr.
Si je peux juste rajouter, parce que je t'entends dire, je n'ai pas le statut ou le mandat de prof, mais c'est quand même quelqu'un qui a reçu une confidence et qui, à un moment donné, on a quand même, si pas le mandat d'un professeur, en tout cas, cette obligation, ou en tout cas de traiter, non, enfin de se concerter avec des professeurs, avec d'autres personnes qui connaissent cette jeune fille, qui ont peut-être tenté de traiter la situation, d'avoir l'accord de la jeune fille pour aller plus loin. Enfin, j'ai envie de dire, parce que j'entends quand même, voilà, je suis en malaise par rapport à ça. Comme si tu n'avais pas la possibilité d'aller plus loin, mais je pense que là aussi, on peut agir. De toute façon, la jeune fille qui vous a confié ça, si elle vous l'a confié, c'est qu'elle a besoin de cette espèce d'écoute empathique qui lui est impérativement nécessaire. Je pense que c'est aussi de cela que les cibles souffrent. Et ça, on peut... Déjà, si vous la remettez, j'allais dire, en bon état, si vous la reconstituez, vous avez gagné une partie. Quelqu'un là-haut. Bonsoir. Bonsoir. En tant que parent d'enfants dans une école primaire qui n'est pas armée d'une équipe que vous venez de citer et qui subit des intimidations répétées, quelles sont les armes, quelles sont les pistes? En tant que parent, si vous n'avez pas en face, d'abord vous avez la possibilité de vous adresser à l'école, mais vous voulez dire qu'il y a une fin de non-recevoir, qu'il n'y a pas de, il y a pas d'écoute du tout du côté de l'école? Oui, d'accord. Et formé à recevoir ce type de... Tout à fait. Mais tout ce qu'on peut faire avec, tout ce que peuvent faire les parents avec les enfants victimes de harcèlement, c'est les entourer au maximum de toute leur affection et toute leur tendresse, de façon à ce qu'ils reprennent, ils reprennent confiance. Ces garçons et ces filles souffrent d'un manque de confiance, intériorisent les choses. Et si déjà vous le savez, c'est déjà très bien. Parce que dans les situations, on a fait récemment une enquête dans les... On nous a demandé de faire une enquête dans les transports scolaires, transports strictement scolaires, vous voyez, qui en France, alors sont vraiment... Il y a le chauffeur de bus, et puis derrière, il n'y a personne, pas un adulte. On s'est rendu compte que non seulement les élèves n'en parlaient pas, ils sont plus de 30% à n'en parler à personne, et lorsqu'ils en parlent, c'est à la rigueur aux amis et pas toujours aux parents. En tout cas, jamais aux professionnels de l'établissement. Donc, le fait déjà que l'élève en parle à la maison, c'est déjà quelque chose d'extrêmement positif. Ça ne suffit pas. J'en suis bien convaincu. Je pense qu'il faut vraiment se lancer ce défi, c'est-à-dire de faire aussi que partout, il y ait ces méthodes. Parce que des dispositifs, il y a une méthode et que les équipes d'Open Ado développent, enfin en tout cas, on en avait parlé à Namur, et puis demain on en reparlera. Il y a une autre méthode qui s'appelle la méthode Noblem, ou le groupe de soutien, groupe d'entraide, qui est aussi très efficace. Mais vous savez, l'intimidation, c'est un phénomène scolaire, c'est un phénomène qui se passe à l'école, qui a ses racines à l'école, c'est à l'école qu'il faudra le traiter. Et même si ma réponse a quelque chose de décevant, j'en conviens bien, les parents, hélas, n'ont pas d'autres ressources que de protéger leur enfant, de le soutenir, de l'aider, etc. Bonsoir. Bonsoir. Nous avons été très intéressés par tout ce que vous venez de dire, mais dans notre réalité de terrain, où nous rencontrons, nous sommes deux directeurs d'école primaire, et au quotidien, nous avons un papa et une maman, parce que le mot harcèlement est un mot tellement galvaudé que tous les jours, nous avons des papas ou des mamans qui viennent dire que leur enfant est harcelé. Certains ont certainement raison, d'autres pas. Et vous dites très bien qu'il faut prendre les choses à bras le corps et très vite. Mais comment pouvons-nous discerner le vrai du faux? Parce que si nous devons prendre tout ce qui nous est dit
et le prendre à bras le corps, ben, premièrement, on ne ferait plus que ça. Et on n'a pas d'équipe, comme Madame le dit très bien, pour faire tout ça à l'école, excepté de préparer nos enseignants, bien recevoir. Mais nous, au quotidien, quand ils viennent à l'accueil et qu'ils nous racontent ça, on doit prendre ça en compte. Mais doit-on ou pas? Parce que maintenant, je vais peut-être me faire des ennemis, mais on ne peut plus admettre aucune frustration à l'enfant. Alors dès que l'enfant revient parce que le petit copain lui a dit un petit mot de travers, il revient chez papa-maman, et le lendemain, vous avez papa-maman qui vient dire « Il est harcelé, mon fils, changez-le de place, il ne peut plus s'asseoir à côté de monsieur, enfin du petit garçon ou de la petite fille. » Alors, oui, mais... il y a des choses sérieuses, oui, et d'autres, voilà. Comment pouvons-nous discerner le vrai du faux ? Alors, incontestablement, il y a le rôle d'une certaine catégorie de parents actuellement qui est très négatif, et vous dites très justement qu'il y a une catégorie de parents qui ne supportent plus la moindre frustration à l'école, et qui, ce faisant, ne rendent pas du tout service à leur enfant, hein, parce que l'éducation est aussi faite de frustration. Mais, moi, il me semble que ce qui est décisif, c'est quand même la parole de l'élève, plus que celle de ses parents. Voyez. Et ce qui est décisif, c'est davantage la souffrance de l'élève que celle de ses parents. Voyez. Donc vraiment, je pense que... Et c'est l'intérêt aussi de ces entretiens. C'est-à-dire que le premier entretien avec la cible va très clairement vous montrer où est-ce que vous avez affaire à une surenchère de la famille, ou bien est-ce que vous avez affaire à une réelle souffrance. Donc ça, je pense que c'est la première étape. Après, il y en a qui t'embêtent, oui, c'est qui ? Ils nous donnent des noms, on les rencontre. Et là, on voit bien si... je ne pense pas que les parents, parfois, puissent en rajouter, j'en suis d'accord. Que les élèves... vous savez, la méthode, son intérêt, c'est de rentrer dans la boîte noire de l'intimidation. C'est-à-dire qu'on va décortiquer les choses. Il n'y a pas, contrairement à ce que soutiennent les experts autoproclamés, il n'y a pas de scénario type. Des situations d'intimidation, il y en a autant que des élèves qu'on rencontre. Donc, ces entretiens permettent de démonter les choses. On s'aperçoit qu'il n'y a rien, et bien on arrête. Voyez. Mais le simple fait d'avoir pris au sérieux, pour l'élève, pour sa famille c'est peut-être autre chose, mais je pense aussi, le simple fait d'avoir pris au sérieux cette parole-là, je pense que ça sera efficace. Et oui, c'est l'injustice de ceux qui sont en haut, qui lèvent la main depuis le début. Mais le micro arrive. Bonsoir. Moi, je voulais poser une petite question concernant les harceleurs. Vous ne pensez pas que c'est les familles qui sont dans une situation difficile et l'élève, enfin, je veux dire, l'harceleur représente ce qu'il voit et ce qu'il vit ? Très franchement, non. Des situations d'intimidation, j'en ai vu de toutes les formes. On a travaillé dans le département des Hauts-de-Seine. C'est là qu'on a commencé à développer la méthode à grande échelle. Et vous savez, dans les Hauts-de-Seine, plus vous êtes près, ça va d'est en ouest, c'est l'ouest de Paris, hein, plus vous êtes près de Paris, plus le mètre carré est cher et plus les situations sont aisées. Et plus vous vous éloignez de Paris, plus c'est l'inverse. Donc on traverse... en allant d'un bout à l'autre des Hauts-de-Seine, on traverse toute la géographie sociale. Donc on va de l'établissement très chic et avec famille très favorisée jusqu'à l'établissement beaucoup plus difficile socialement. Eh bien, les situations d'intimidation, moi, je les ai vues exactement, pas identiques parce qu'elles prennent des formes différentes, mais on a vu des choses semblables, comparables dans les différents milieux sociaux. Vous savez, bien sûr que le garçon ou la fille qui, chez lui, vivra des choses difficiles, qui, par exemple, sera victime de maltraitance, ou qui vivra dans un contexte particulièrement violent, sans doute aura-t-il un risque fort de développer à l'école une certaine forme de violence. C'est possible. Mais le harcèlement ne devient véritablement dangereux que lorsqu'il y a coagulation, que lorsqu'il y a phénomène de groupe. Et je pense qu'on n'enlèvera pas, je l'ai dit tout à l'heure, on n'enlèvera pas le fait qu'il puisse y avoir à l'école des garçons et des filles un petit peu plus méchants, un petit peu plus durs que les autres. Ce qu'on veut éviter, c'est que le phénomène de groupe ne se constitue.
Bonsoir. Merci pour la conférence. Au sujet du sexting, comment peut-on réagir quand les étudiantes nous demandent de ne pas en parler aux parents, notamment dans le cas de choc culturel où ce serait vraiment très compliqué que la famille puisse apprendre ça, mais en même temps, dans ce cas-là, les jeunes filles restent très isolées face au problème. Oula, vous posez une question qui est très très délicate et très très d'actualité, très à l'ordre du jour, bien sûr. La question du sexting, pour bien faire, il me semble qu'un dispositif, c'est celui que j'ai développé, que j'ai proposé, il me semble qu'un dispositif qui voudrait vraiment protéger les victimes s'articulerait autour de trois points principaux, trois axes principaux. Il faudrait qu'il y ait une référente, je le mets au féminin parce que vu le nombre de filles qui sont prises dans ce piège-là, il faudrait qu'il y ait un référent, mais plus vraisemblablement une référente sexting dans l'établissement, qui ait les bons réflexes et qui puisse faire ce travail, j'allais dire, d'interface avec la famille. Parce qu'à un moment ou à un autre, la famille l'apprendra. La jeune fille le redoute par-dessus tout. Il faut que, sans doute, que ce travail-là soit fait par un vrai professionnel formé à ce travail. Donc ça, je pense que c'est un premier point. On n'évitera pas le choc culturel, on l'évitera pas. Deuxièmement, on l'atténuera peut-être le choc. Deuxièmement, je pense qu'il faut constituer dans l'établissement, et si on a pu le constituer avant que la situation n'éclate, c'est bien mieux. C'est pour ça qu'il faudrait que tout ça, en tout cas les deux premières propositions, il faudrait qu'elles existent avant que la situation de sexting n'éclate. Première proposition, la référente. Deuxième proposition, qui est véritablement une cellule de crise. Si vous avez dans votre établissement, comme on l'a suggéré ici, une équipe ressource qui travaille avec au traitement des situations d'intimidation, en cas de sexting, l'équipe ressource se transforma très vite en cellule de crise. Et elle apportera conseil, soutien, éclaircissement à l'ensemble de l'équipe. Je pense vraiment que dans une situation de sexting, il faut que l'établissement fasse bloc avec la jeune fille. Il faut vraiment qu'elle ait dans son établissement un soutien sans faille. Et troisième proposition, mais alors celle-là, on est obligé de la faire dans l'urgence, lorsqu'il y a situation, il faudrait qu'il y ait un groupe d'élèves qui vont venir en soutien. Il faut s'attendre à ce que la fille, elle soit traitée de tous les noms par ses camarades. Il faut faire en sorte que... je me suis un peu inspiré du groupe d'entraide, enfin de la méthode Noblem Approach. Noblem Approach, on constitue un groupe, mais moi, je mets le groupe très porté vers l'empathie. Vous voyez, vous prenez un groupe, vous constituez un groupe de 9 ou 12 élèves, mais vous les choisissez vraiment pour leur sens civique, pour leur sens de l'empathie. Et il faudra demander à ce groupe, selon la même méthode, on cherche des suggestions, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider cette jeune fille, ça va vraiment très mal. Et essayer de faire en sorte qu'elle trouve dans son établissement des soutiens qui sont là pour la défendre. Bonsoir. Ici. Je suis instituteur dans l'enseignement spécialisé avec des enfants qui ont des troubles du comportement. Et on lutte beaucoup contre le harcèlement parce qu'il y a beaucoup de soucis dans l'école. Et on a réalisé un film pour impliquer les enfants, etc., qui a pas mal fonctionné, notamment au niveau des autres écoles. Par contre, le problème que nous, on rencontre, peut-être moins dans l'autre école, c'est la difficulté intellectuelle que certains élèves ont pour réagir, et pour s'impliquer, etc. Donc ils ne comprennent pas toujours, encore moins que d'autres enfants, le mal qu'ils font ou le mal qu'ils reçoivent et le mal-être qu'ils ont. Ça se transforme peut-être par des mutilations, des choses comme ça, mais pas par des paroles, ils ne se plaignent pas. Et c'est compliqué de les aider parce que... ils n'ont pas nécessairement les capacités intellectuelles pour le faire.
C'est une vraie difficulté. En tout cas, en ce qui concerne ceux qui ont pris part à l'intimidation, avec les victimes, c'est... Mais avec les victimes, j'allais dire, c'est nous-mêmes, enfin, c'est les professionnels qui observent la souffrance, même s'ils ont de la peine à la verbaliser. En revanche, avec des élèves qui ont un petit peu de difficulté à verbaliser, je pense qu'il est important au moins de faire naître ce sentiment d'empathie, ce sentiment de souci de l'autre. Et ça, je crois qu'on y est arrivé, y compris dans des... Alors, faudrait... je pense que cette méthode, et c'est l'intérêt, c'est vraiment une communauté. C'est pas du tout la parole d'un expert qui vient former. C'est vraiment... On a développé cette méthode sur la France, sur la Suisse, et bientôt, je l'espère, sur la Belgique. Et les professionnels adaptent vraiment ces deux principes qui sont tout simplement le souci de l'autre et la recherche de suggestions, et l'appliquent au contexte qui est le leur. C'est pour ça que je pense qu'on a mis en place aussi cette méthode dans l'éducation spécialisée. Ce serait intéressant qu'il y ait des échanges entre équipes de cette nature pour voir comment la méthode peut fonctionner aussi dans ce domaine-là. La lumière m'éblouit un peu. C'est bien, l'interprète se déplace. Vous expliquer un peu ma situation. Mes enfants sont sourds et ils sont dans une école d'entendants en intégration. La difficulté vient de l'omniprésence évidemment de la communication entre entendants pour laquelle mes enfants n'ont pas accès. Et donc ils constatent qu'il y a des discussions qui se passent et sont souvent très exclus parce qu'ils n'y ont pas accès. Et donc, ils vivent un fort sentiment d'exclusion. Pour moi, c'est aussi une forme de harcèlement. En tout cas, ils sont victimes de cette situation. Et donc, entre le harcèlement et la discrimination, est-ce qu'il y a une différence ? Quelle est la différence ? Ah ben oui, on peut commencer par le plus facile. C'est la différence entre la discrimination et le harcèlement. La discrimination frappe spécifiquement telle ou telle catégorie en fonction d'une origine ou d'une difficulté ou de ce qu'on voudra. Ça, c'est la discrimination. Mais dans la discrimination, j'allais dire, il y a un profil type du discriminé. Dans le harcèlement, il frappe absolument tout le monde. Et dans la situation que vous évoquez, c'est-à-dire d'un enfant malentendant placé dans une école où les autres sont entendants, évidemment, il y a une difficulté, mais qui est, moi, je crois, alors j'ai pas d'avis et je me garderai bien d'en avoir un sur la question, mais il me semble que peut-être qu'on atteint un petit peu les limites de ce qu'on appelle l'école inclusive. Un petit peu. Je pense que dans certaines situations, un élève malentendant placé dans ce contexte-là peut se sentir très très vite exclu. Et au nom de principes justes et tout à fait auxquels je crois personnellement, je pense que bien sûr que l'école inclusive c'est quelque chose d'essentiel, au nom de principes justes on peut parfois arriver à des situations qui sont parfois pénalisantes pour les enfants. Moi, j'aurais besoin un peu d'aide. En tout cas, je réfléchis par rapport à mon fils. Voilà, il joue dans la cour de récré avec les autres, avec ses amis principalement. Et il m'a expliqué, et j'étais assez surprise. Il a un ami avec qui il a grandi, donc il a 11 ans. Donc ils sont également dans une école avec d'autres enfants entendants.
Et il y a une situation problématique avec son fils. Et donc il y a des difficultés, son ami a du mal à s'intégrer dans le groupe. Et donc il est venu me prévenir pour essayer de trouver une situation par rapport à son ami qui est de plus en plus exclu. Et donc je ne sais pas très bien comment réagir par rapport à mon fils qui me dit qu'il ne sait pas quoi faire par rapport à son ami. Ils ont grandi ensemble, donc je l'invite vraiment à veiller à son ami. Donc mon fils est allé voir un adulte, et donc ils en ont parlé, voir pourquoi tout le monde s'acharnait contre lui. C'est vrai qu'il commençait à y avoir beaucoup de frustration, et donc mon fils n'était pas d'accord. Donc ils sont partis tous les deux. Ils n'avaient pas envie non plus de discuter en face de tout le monde. Donc ils se sont mis à l'écart. Et mon fils a dit à son ami, je pense que les autres t'en veulent. Donc je remarque vraiment que mon fils protège fortement son ami. Et je suis heureuse de ça. Et c'est vrai que quand il m'a raconté cette histoire, je l'ai félicité. J'ai félicité mon fils d'avoir réagi de cette façon. Maintenant, je m'interroge un peu sur les conséquences pour l'ami de mon enfant et pour la façon dont ça va se passer après. Est-ce qu'il faudrait que j'aille prévenir les parents, par exemple, de l'enfant, ou est-ce que je dois rester en dehors de cette situation? Je m'interroge un peu maintenant sur le rôle que je peux avoir. Évidemment qu'il faut féliciter votre enfant pour son attitude. Bien sûr que votre enfant. C'est bon. Bien sûr qu'il faut que votre enfant mérite d'être félicité, et c'est tout à fait remarquable ce qu'il fait. Simplement, je pense qu'à un certain moment, et le moment est venu, me semble-t-il, il faut que les adultes prennent leur lait, mais pas vous avez fait tout ce que vous pouvez, mais je pense que le relais, c'est les adultes de l'établissement. Parce que vous vous rendez compte tout ce que le poids que porte votre enfant dans cette affaire, c'est remarquable ce qu'il fait, mais j'allais dire c'est presque trop lourd pour lui. Il faut qu'à un certain moment, ce soit les adultes qui prennent le relais. Il y a un garçon qui est mis à l'écart, qui se sent exclu, qui n'est pas bien dans l'école. C'est vraiment une situation que les adultes doivent, que les professionnels de l'école doivent traiter. Ben, pourquoi pas? Mais ça restera, si vous voulez, c'est toujours hors de l'école, tout ça. Bien sûr que vous pouvez alerter les parents qui peut-être s'en sont aperçus eux-mêmes, je ne sais pas. Mais tout ça reste en dehors de l'école. Et vous-même, votre fils ou les parents de ce garçon feront tout ce qu'ils pourront. Mais ce qui mettra fin à l'intimidation, c'est quand même l'intervention des adultes de l'établissement. Ben, Monsieur Bellon, je vais vous remercier une dernière fois. Vous remercier toutes et tous d'être venus, d'avoir participé à cette première conférence traduite en langage des signes, et je remercie d'ailleurs les deux interprètes. Le sujet est loin d'être épuisé. Si vous avez les moindres questions, moindres inquiétudes, ben, n'hésitez pas. Notre service Open Ado est là pour essayer de vous conseiller, de vous orienter au mieux. C'est un service qui reste anonyme et gratuit, donc n'hésitez pas à prendre les coordonnées. À toutes et tous, une bonne fin de soirée. Au revoir. Merci. Ça a convenu.